wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you've just got to run and look behind you. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche et là il est exactement 9h et je pars avec ma maman. On va faire un petit tour au marché et voilà. Alors si vous vous demandez, ce jogging il vient de chez Adidas qu'on a acheté hier. Je vais demander hier sur Snap. En fait ma mère elle parle avec la voisine, c'est pour ça que je suis encore dehors. Vous m'avez demandé sur Snap le jogging que je portais hier et il vient de chez Nike, du magasin à Châtelet, pas très loin de la gare de Châtelet. Ouais voilà, il vient de là. Je sais pas si vous avez ressenti dans mon regard mais la gênance. J'étais trop gênée. En fait c'est une voisine, c'est une copine à ma mère et c'est la première fois je crois qu'elle me voit en train de vlogger comme ouais, ça. Ouais. Et t'as pas demandé ce que je faisais? Non. Ah j'étais trop bonne. Mais bon c'est pas grave. Ils vont s'habituer je pense. Bon nous on y va, donc on va faire un tour, voilà je vous le dis ici, on va faire un tour avec ma mère au marché, ensuite on part voir sa copine et ensuite on rentre à la maison. Voilà. Donc on va faire tout ça et après moi quand je rentre, Ayoub il est en train de dormir. Moi je sais pas, j'arrivais plus à dormir donc je me suis réveillée, je me suis dit bah je vais partir avec ma mère. Et je vous ai posté le vlog aussi ce matin. Donc vraiment n'hésitez pas à partager ma chaîne hein, si vous avez envie et si vous connaissez du monde bah, qui aime regarder les vidéos etc. N'hésitez vraiment pas parce que c'est grâce à vous en fait en quelque sorte que bah, ma chaîne elle peut se faire connaître. Et donc voilà, je compte vraiment sur vous. Bon là on part rapidement à la boucherie parce que ma mère ce soir elle a envie de faire des pâtes à la bolognaise et moi ce midi j'ai envie de manger des escalopes de dinde, donc on va aller en acheter et ouais j'ai envie de faire un truc pommes de terre et avec des escalopes de dinde. Comme ça au moins quand je rentre je prépare à manger et voilà. Les filles je vous retrouve un peu plus tard, il est 15h47 et j'ai fait une sieste de 2h30. J'ai trop bien dormi, ça fait trop plaisir. Donc en fait là je vais vous montrer rapidement les affaires qu'on a achetées hier. Donc je vais vous montrer les affaires d'Ayoub et les affaires que j'ai trouvées aussi. Donc d'abord chez Guess, on va commencer chez Guess. Il s'est pris un polo, donc il lui a coûté 20€. Voilà, un polo rouge. Voilà. Il est comme ça et il est super joli. Encore une fois c'est vraiment des affaires que on est en train d'acheter pour cet été. Chez Puma, Ayoub s'est pris une paire de baskets blanches, super simple. Et en fait comme il a une voiture Mercedes, il s'est dit allez on le fait à fond, des baskets Mercedes aussi ça passe bien. Donc voilà, il y a le petit signe derrière et elles sont super jolies, elles sont super simples. Il y a le signe Puma derrière et je crois qu'elles lui ont coûté 35€, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Elles étaient à 60€, non 60€, pardon, excusez-moi. Elles étaient à 100€ et il les a achetées 60€. Ensuite chez Adidas il s'est pris ce jogging, voilà, il est comme ça. Il s'est pris un deuxième jogging pour le foot, il est comme ça. Et en bas, il resserre au niveau des chevilles. Je pense que vous connaissez un peu le style des jogging, un peu ce, pour les footeux. Ça serre au niveau du mollet. Et voilà, il est comme ça. Et celui-ci a coûté 14,95€ au lieu de 50€. Donc franchement, ça valait vachement le coup. Mais après, moi, vraiment, je vous conseille, si vous voulez partir à 3, moi, j'ai le souvenir qu'on partait tout le temps en période de solde. Et en période de solde, ça déchire parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. On va repartir au mois de juillet, je crois, ouais, pour les soldes. Et voilà. Et donc ensuite, on s'est pris deux paires comme ça. Donc voilà, elles ont coûté je crois 12€, 14€, 14€ au lieu de, je vais vous dire ça tout de suite, au lieu de 20€. Et comme vous avez pu le voir dans le vlog d'hier, je les voulais ces claquettes là, je cherchais partout, je les trouvais pas, ou je les trouvais trop chères. Et là pour le prix je me suis dit ouais je les prends parce que je vais les regretter sinon. Ensuite bah, comme vous avez pu voir aussi dans le vlog, je me suis pris ce petit sac pour 10€. Donc voilà. Et aussi ce jogging là comme je vous ai montré ce matin. Et en fait ce que j'aime bien c'est qu'il est long. Au niveau d'ici il est long et je trouve ça super joli. Et voilà. Donc celui-ci bah, chez Adidas. Voilà. Ensuite donc chez Nike. Je me suis pris ce jogging, cet ensemble.
Et il a coûté, au lieu de 90 euros, il a coûté 35 euros l'ensemble. Bas noir qui est simple. Voilà, il est comme ça. Et c'est vrai que les joggings, c'est super cher. Hein. Moi, je cherchais beaucoup de leggings, mais je trouvais que c'était trop cher. Et j'attends les soldes pour m'acheter des leggings de sport. Parce que j'aime bien m'entraîner en leggings. Avant, je m'entraînais beaucoup en short. Mais bon, l'été, quand il va arriver, je vais m'entraîner en short. Hein, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise en leggings. J'en trouvais pas, enfin c'était super cher. Je me suis dit non, je vais pas mettre de prix dessus parce que ça vaut pas le coup en fait. Encore ça, ce qu'on a trouvé, ça vaut vachement le coup parce que comme vous avez pu voir, par exemple, le jogging là il coûtait 90 euros, je l'ai eu à 35 euros. Il y a quoi d'autre? Les joggings Caillou il a acheté, les baskets qui étaient à 90 euros, il les a eu à 60 euros, donc franchement ça vaut grave le coup. Ensuite, je me suis pris ces Air Max, je crois que c'est des Air Max, je sais plus. Ouais, si, c'est des Air Max, voilà, elles sont comme ça. Elles sont super. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ces Air Max, mais je les trouve vraiment super jolies. Chez Mango, donc je me suis pris 3 trucs exactement. Donc j'ai hésité sur le jean, mais Ayum m'a dit prends-le parce qu'il est vraiment super joli. Je l'ai toujours pas essayé, mais c'est vrai qu'il est beau. Il est comme ça, noir. Et attendez, vous allez halluciner sur le prix, moi j'ai halluciné. Donc voilà, il est comme ça et écoutez... 54 euros et je l'ai eu à 12 euros. Donc voilà, encore une fois, hein, ça valait vachement le coup. Mais c'est pour ça que je sais qu'en période de solde, c'est encore 10 fois mieux. Donc nous, on n'hésitera vraiment pas à repartir en période de solde. Ensuite, je me suis pris un haut super simple qui a coûté, au lieu de 24 euros, il a coûté 5,99 euros. Et c'est celui-ci. Voilà, comme ça. Je me suis pris cette tunique pas portée, ça ressemble vraiment à rien. Je me suis dit non, c'est pas beau, c'est moche, mais j'aime trop les tuniques en fait short pour l'été parce que je trouve déjà d'une je suis hyper à l'aise et voilà. Donc, mais là je me suis dit ouais, ça fait pas joli, mais après je me suis dit ouais, si je pense que essayer ça va faire joli, donc je vais vous la montrer. Elle ressemble à ça, vraiment. Pas essayer, c'est vraiment moche, hein. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Elle est manche longue et elle est comme ça. Donc c'est super mignon. Moi, je trouve que c'est super mignon l'été, etc. Ça passe super bien avec des petites claquettes ou même une paire de petites baskets et tout. Je trouve que ça passe super bien. Elle est, comme je vous ai dit, manche longue. Et voilà, elle est comme ça. Donc celle-ci, au lieu de 40 euros, elle a coûté 7 euros. Donc voilà, je crois que j'ai terminé sur les achats qu'on a fait hier. Et on est vraiment content parce qu'il y avait vraiment des trucs qui valaient vachement le coup. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré et tout sur ce que je vous ai montré. Mais en tout cas, moi je suis super contente. Je vais essayer de mettre tout ça dans une valise, comme ça au moins ce sera rangé pour cet été. Et voilà, je vous ai tout montré. Donc voilà, donc je vais ranger tout ça et je vous retrouve après. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, run. But I can't stop running because you're not running with me. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because... Ça y est, j'ai rangé les affaires. Par contre... Ça, bon, c'est pas pour cet été, hein. Le jean, je vais le mettre, les baskets aussi, et puis ça, j'en aurai besoin pour les compétitions et tout, et le jogging, aussi pareil, puisqu'au Maroc. Donc ça ira pas pour les vacances, et pareil, les joggings, c'est un peu trop chaud pour ça, donc ça va être rangé dans le placard. Je suis en même temps en train de regarder le vlog de Je ne suis pas jolie, parce qu'il y a pas mal de vlogs que j'ai ratés. Donc voilà, en tout cas déjà tout ça s'est rangé. Faire ça petit à petit à chaque fois qu'on achète des affaires pour cet été. Je vais essayer de les ranger dans cette valise. Je suis en train de terminer mon devoir que je dois rendre mardi. Et en même temps je suis en train en fait de regarder un reportage de enquête exclusive. C'est le cauchemar américain, jeune fille à vendre. Ouais, c'est hyper chaud. C'est hyper chaud et en même temps je suis en train de faire mon devoir aussi. Et si Ayoub ne tarde pas à arriver, je pense que je vais aller laver ma voiture. C'est pas sûr encore parce que la nuit a commencé à tomber. Donc je vais déjà terminer ça et ouais. Et peut-être après partir laver ma voiture, ce serait cool comme ça. Au moins pour la semaine, elle sera propre. Donc voilà. C'était juste pour vous prévenir où j'en étais. Et je vous dis à tout à l'heure. Bidou.
Bon, là, comme prévu, je pars laver ma voiture avec Ayoub. Donc il m'a dit qu'il avait tous les produits pour laver la voiture dans sa voiture à lui. Donc ça c'est cool, je vais juste passer un coup d'aspirateur. Et vu qu'Ayoub il m'a dit qu'il avait tous les produits, donc c'est cool. T'as quoi? Ouais, tu prends ça. Ouais. C'est quoi ça? Ça j'en ai besoin, c'est pas carrosserie, non. Non. Et je prends ça. Et voilà. C'est tout, ça suffit? Ça suffit. Ok. Bon, bah on y va. Regardez, je sais pas si vous voyez bien, mais ça a fleuri, c'est trop joli. C'est trop joli. Attendez, je vais vous montrer celui-ci. Il est trop joli. Je sais pas si vous voyez. Mais il est en train de fleurir et c'est tellement beau, surtout le matin quand j'ouvre les fenêtres ici. C'est trop joli. Bon, on y va. Oui, man. Yeah. Ouais. Attends. Ouais, ouais. Ouais. Ah, tu m'as mouillé. Ça y est, donc la voiture, elle est lavée. Elle est toute toute propre. Voilà, voilà. Donc les filles, je vais clôturer le vlog maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis nous, bah, on se retrouve très vite dans un nouveau vlog. Peut-être, c'est pas sûr à 100%, mais c'est peut-être demain, je vais vlogger ma journée. Parce que je finis à 13h30. Bah, je vous tiendrai au courant sur Snap. Et n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est peut-être pas encore fait. Et voilà, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog.